doigts jetés, une main serrée, un granit, et c'est parti! Exhibile tendrement tes petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon ami. Ami crochet! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à plusieurs questions que vous m'avez posées suite au petit top à granit. Alors, vous me posiez deux questions essentiellement. C'est comment arrêter de rentrer trop de fils. Alors ça, il fallait voir la vidéo et vous auriez vu que je vous donnais une astuce durant la vidéo. Comment faire un granit sans rentrer trop de fils, mais on va en faire un maintenant et vous allez voir que c'est possible. Et ensuite, comment adapter le granit à ma taille. Bien, ça c'est pareil, c'était aussi dans la vidéo, mais je vais quand même vous l'expliquer maintenant différemment. Allez, écoutez, c'est parti. On va commencer par faire donc un granit. On va commencer par le cœur et nous allons venir faire ici. Alors, mon crochet, c'est un crochet 2,5. Hein. Ça, c'est selon votre main. Si vous crochetez lâche, comme moi, ben, prenez du 2,5. Vous crochetez normal, prenez du 2,75, voire du 3. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter à 3,25, voire 3,5. Là, maintenant, on vient faire donc une, deux, trois mailles en l'air, suivi de deux brides, deux mailles en l'air, on fait trois brides à l'intérieur du cercle magique, deux et trois, deux mailles en l'air, trois brides. Une, deux et trois. Deux mailles en l'air. On refait nos trois dernières brides, puisqu'il faut quatre séries de trois brides, deux et trois. Et pour venir joindre, on tire sur le fil. Voilà. Ici, on fait une maille en l'air et on vient donc faire une demi-bride ici dans la troisième pour pouvoir avoir le même espace que dans les autres. Là maintenant vous allez venir couper sur à peu près 15 cm. Une, deux mailles en l'air, on tire le fil et on vient descendre le nœud un maximum. Vous allez venir travailler maintenant dans un angle opposé. C'est grâce à ça que vous n'allez pas rentrer les fils. Enfin, vous allez les rentrer sans vous embêter avec une aiguille ou quoi que ce soit. Dans l'angle opposé, vous venez récupérer la couleur d'après. Donc pour ma part, c'est du blanc ici. Donc, je fais un premier nœud et un deuxième pour que ça tienne bien. Je fais courir mon fil, comme ceci. Je récupère et je viens faire une, deux, trois mailles en l'air, comptant comme une bride. À ça, je viens rajouter donc deux brides. Une et deux. Maintenant, je viens dans l'autre, ici, espace, et je viens faire trois brides. Donc, une, deux, trois, une, deux, mailles en l'air, et là, vous voyez, on a tous les fils, vous prenez même celui du centre, vous allez le mettre au même endroit, et vous allez venir donc tout rentrer en même temps. Et vous faites vos trois brides. Une, deux et trois.
Vous allez venir dans l'espace suivant et vous allez recommencer. 3 brides. 1. 2. 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1. 2. 3. Allez, on va aller dans le dernier espace ici et on refait pareil tout en rentrant toujours les fils. 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, et 3. On vient donc dans le dernier espace, il nous reste 3 brides à faire, donc 1. Là on peut couper donc les fils, ils ont été rentrés sur 3 côtés, ça suffit amplement. Hop. Donc, 1, 2, 3, une maille en l'air et une demi-bride dans la troisième pour venir faire donc notre angle. Là maintenant, on va venir faire donc une autre couleur. Je vais prendre par exemple ce beige un petit peu plus foncé ici. Là, je coupe 1, 2 mailles en l'air. Ici, je tire et je fais bien mon nœud. Et je viens ici à l'opposé. Voilà. Et je refais la même chose. Donc, je viens faire un double nœud pour que ce soit bien tenu. 1, 2. Je fais courir mon fil et là je fais donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 brides, 1, 2, à l'intérieur ici je viens faire 3 brides, donc 1, je continue à rentrer mon fil en même temps, 2 et 3. Là maintenant je suis, voilà, on tire, je suis maintenant dans l'angle et je vais rentrer les deux fils en même temps. Je fais néanmoins 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides, 1, 2, dans l'espace d'après je viens faire 3 brides en rentrant le fil en même temps, 1, 2, 3. Voilà, mais écoutez, je vous laisse faire jusqu'à la fin du rang. 3 brides de maille en l'air, 3 brides, 3 brides, 3 brides de maille en l'air, 3 brides, 3 brides. On se rejoint ici avec 3 brides. N'oubliez pas de rentrer le fil un maximum. Et voilà, ici, je viens faire mes 3 dernières brides. 1, 2, 3, la maille en l'air et la demi-bride ici dans la troisième pour terminer donc mon angle. Je fais exactement la même chose, je viens couper sur 15 cm. 1, 2 mailles en l'air, je tire et je viens faire mon dernier carré. Pour ma part, il sera fait donc de beige, donc je me mets dans l'angle opposé et je refais exactement les mêmes choses que j'ai fait sur les rangs précédents. Donc un nœud.
Là maintenant, vous n'avez pas un mais deux espaces. Donc chaque fois, ça sera trois brides dans chaque espace, trois brides de maille en l'air, trois brides, etc., etc. Et on n'oublie pas de rentrer les fils. Je vous rejoins donc en fin de rang, ici, au même endroit où nous devrons faire les trois dernières brides pour compléter notre carré. Voilà, on arrive maintenant ici où nous faisons nos trois dernières brides. La maille en l'air et la demi-bride ici pour terminer notre rang. Alors, vous me demandez une question qui est revenue donc assez souvent sur le petit top en grani. Comment adapter le grani au bon centimètre? Je vous l'avais expliqué dans la vidéo, mais je vais vous donner une deuxième astuce pour être moins stressé. Parce que moi, par exemple, mes granis faisaient 10 cm. Et il y a des personnes qui me disaient, oui, mais le mien ne font que 8. C'est normal, ça veut dire que vos crochetiers serrés. Si vous aviez pris un crochet un petit peu plus gros, ça aurait été moins compliqué. C'est pas du tout un reproche. On peut pas écouter tout ce que je dis non plus dans les vidéos quand elles durent quasiment une heure. Je peux l'entendre. Mais là, vous allez pouvoir, si par exemple, bon, moi, ils sont égaux. Voilà, vous voyez, c'est exactement les mêmes. Donc, j'ai pas de souci. Le fait est, c'est que si vous voulez plus, si vous manque des centimètres, eh bien vous allez soit, ça dépend combien il vous manque, si vous manque un seul centimètre, vous allez le travailler en demi-bride. Donc vous allez faire avec la même dernière couleur, faire une maille en l'air, trois demi-brides, une, deux, trois, dans l'espace d'après, trois demi-brides. Donc, 1, 2, 3. Donc, vous allez faire un rang de demi-brides. Ici, 3 demi-brides de maille en l'air, 3 demi-brides. Et ça va donc augmenter la hauteur de votre carré. S'il vous manque encore plus, eh bien, ce n'est pas des demi-brides que vous allez faire, mais ce sont des brides et toujours de la même couleur. Voilà, pour qu'il y ait, voilà, donc 3 mailles en l'air. Et vous repartez avec deux brides, dans l'espace d'après, trois brides. Etc, etc, jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur dont je parle dans les vidéos. Mais normalement, je vous explique comment avoir la bonne hauteur d'une façon comme d'une autre, comment faire donc des petites règles de 3. C'est peut-être les règles de 3 qui sont gênantes, mais comment faire des petites règles de 3 pour pouvoir agrandir les carrés. Bien évidemment, si vous en manque pas autant, vous pouvez faire tout simplement aussi de la maille serrée. Vous faites donc une maille en l'air, suivie de 1, 2, 3 mailles serrées, dans celui d'après 3 mailles serrées, etc, etc, et ensuite vous suivez le tuto tel que je vous le préconise, joindre les carrés, etc, etc. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous servira, parce qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à tout ça. Vous avez vu, ah, je vous ai pas montré derrière, donc on n'a aucun fil qui dépasse, tout est bien rentré, il n'y a pas de souci. Si vous avez peur, vous achetez de la colle ou la Odif qui est sur laine du monde ou de la colle à tissu, et quand vous terminez, quand votre fil court et qui se termine, vous mettez un petit point de colle, vous posez par-dessus donc votre petit bout qui reste, hop, ça colle, vous faites vos trois brides par-dessus et hop, on n'a plus de fil à rentrer. Voilà, là, le seul fil à rentrer qui est, c'est quand vous terminez votre rang, comme là, moi, je viens de terminer le rang ici,
Je coupe. Voilà. Et normalement, je rentre même pas puisque je vais utiliser ce fil pour joindre aux autres. Mais si vous avez à le rentrer, bien écoutez, ça sera ici à l'intérieur de multiples fois dans les petits arceaux que ça a créé ici, que vous allez le rentrer de multiples fois. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit pas à pas vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.